C'est, sauf énorme surprise, la dernière conférence de presse animée par Philippe Tournon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur lui, sur votre collaboration, et qu'est-ce que vous retenez de ce personnage ? Vous me gênez. Ben merci, merci déjà Philippe. Ça fait, ouais, moi je l'ai connu depuis 2010, donc 2010. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Il a été parfois dur. Juste. Ouais, j'étais souvent en retard, donc il était là pour me tirer les oreilles. Voilà, pour que vous soyez heureux. Et voilà, il a été une part importante dans le projet de l'équipe de France durant toutes ces années. Et voilà, c'est bravo Philippe, bravo voilà. Pour c'est bien, on va s'arrêter là. Pour ta carrière. La dernière question. En espérant qu'elle se finisse en apothéose dimanche. Philippe Tournon, c'est sa avant-dernière conférence. Yes, enfin, yes, on n'en veut plus. Non, je rigole. Voilà. Non, Fifi, c'est un bon, c'est notre petit grincheux. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Antoine, ça a été notre interlocuteur pendant des années. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous et pourquoi il a été aussi important ? Non, parce que voilà, avant chaque conférence de presse, il dit un peu les questions qui vont être posées. Et voilà, il est bon dans ce qu'il fait. Et voilà, même s'il est un peu grincheux et il sourit pas trop, mais non, c'est vraiment un chouette type. Merci, merci à tous, Antoine. Merci.